Mère Teresa a attiré autour d'elle, avec l'auréole de Jésus-Christ qui était en Mère Teresa, elle a attiré les saintetés. J'ai connu des tas de gens qui ont touché Mère Teresa de très près, et ces gens étaient extraordinaires, étaient lumineux. Et à Calcutta, il n'y a pas eu simplement 2 ou 3 000 sœurs de Mère Thérèse, il y a eu des milliers de jeunes filles, surtout des grandes familles hindoues et musulmanes, qui se sont mis au service des plus pauvres à cause de Mère Teresa. Donc c'était pas, on n'était pas une exception, on faisait partie de la fourmilière de Mère Teresa, hein, fourmilière spirituelle de Mère Teresa. Une fois pris en charge, les enfants sont à l'abri. Peu importe le passé, il faut se soigner, apprendre à lire, à écrire, à danser, à être heureux.